Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme parce que moi j'ai la patate aujourd'hui. Et j'ai une patate un peu particulière, j'ai une patate à défi. Alors aujourd'hui, je me sens un petit peu dans le mal pour avancer sur un nouvel objectif et je compte sur vous. Je me dis que c'est avec vous que je vais réussir à ça. Alors le défi, il est tout simple. Vous savez, comme je suis un mauvais lecteur et comme pour moi, me mettre à la lecture, ça a été tout un challenge démentiel. Alors j'ai reçu ça aujourd'hui, ce petit pavé là. Dont vous avez certainement entendu parler parce que sur ma page Facebook ou sur Instagram, ce que je n'ai jamais appris à l'école mais que j'aurais bien aimé. C'est un bouquin d'un Australien, pardon, Success Story d'un Australien, complètement génial. Seul problème, 450 pages, peu une Bible. Voilà, la Bible du mec, toute sa vie, ma vie de millionnaire, comment est-ce que je l'ai faite, comment est-ce que j'ai réussi dans un bouquin. Sauf que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de pages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je me dis, allez, comment est-ce que je vais réussir à lire ce bouquin très rapidement pour pouvoir donner le maximum d'infos à ceux qui me suivent et sur Better Colenso? Bah, tout simplement, on va se mettre un défi. On va se dire que, je sais pas, 2 semaines? 2 semaines pour lire 450 pages? Ouais, à vue de nez, ça fait 30 pages par jour à peu près. Quelque chose comme ça, sur 15 jours. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Alors, ce que je vous propose, c'est simple. Aujourd'hui, on est le 27 mai. Le bilan final, on le fait le 10 mai. Le 10 juin, pardon. 10 juin. Je démarre le 27 mai, bilan final 10 juin. C'est faisable? Je l'aurais fini ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais pouvoir tenir et réussir ce challenge. Alors, on se fait deux interludes. On fait le 2 juin et le 8 juin, pardon. On se fait un petit bilan vidéo. Je vous dis où j'en suis, comment ça se passe, est-ce que vraiment j'arrive à tenir mes 30 pages par jour, est-ce que je pense du bouquin, peut-être que j'ai abandonné parce que c'est complètement nul, mais peut-être pas. Alors, on dit rendez-vous le 2 et le 8 juin et le 10 juin pour le bilan final. Allez, c'est parti. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ce défi, si vous pensez que je vais y arriver et si potentiellement vous feriez la même chose. Est-ce que vous liriez ce bouquin de 450 pages? Allez, à très vite sur les prochaines vidéos. Ciao!